Ça y est, le personnel de santé recevra encore plus d'argent et encore plus de bonus pour l'année 2021. Alors, si toi tu travailles dans le domaine de santé, que tu sois élève en formation ou alors que tu sois quelqu'un qui travaille dans le domaine de santé ou médecin également, alors cette vidéo est pour toi. Je vais t'expliquer clairement ce qui change pour toi et surtout ce que tu vas gagner pour l'année 2021. Tu résides en Allemagne ou alors aux environs, notamment dans des pays tels que la Suisse, la France, la Belgique, le Liechtenstein ou alors l'Autriche ou même le Luxembourg, alors sache que dans cette chaîne, nous traitons des sujets notamment concernant les études, la formation, le tourisme ou alors même le business ainsi que le travail. Alors si cette thématique t'intéresse et que toi également tu aimerais venir dans ces pays-là ou bien en Allemagne, pour ces différents domaines-là ou ces catégories-là, sache que tu es au bon endroit. Alors, pour profiter de mes nombreuses astuces que je publie notamment en vidéo chaque semaine, notamment le mercredi et le vendredi dès 8h, heure de Berlin, il faudrait simplement faire deux choses. La première, c'est de t'abonner à cette chaîne et activer la notification à la petite cloche. Et la deuxième chose, c'est de partager cette vidéo avec tes proches pour que eux également, ils puissent en bénéficier. Dans cette même vidéo, je souhaite partager avec toi le bonus ou la nouveauté même dans le secteur médical dû au coronavirus qui a, n'est-ce pas, accéléré le processus d'amélioration de conditions de travail dans ce domaine-là, également les conditions de rémunération dans ce domaine-là. Alors, je vais partager avec toi aujourd'hui la nouveauté qui est sortie il y a de cela quelques jours simplement et te montrer également comment tu pourras faire pour toi-même en bénéficier de ce bonus-là ou de cette prime-là qui a été, n'est-ce pas, décidée par le gouvernement allemand. Déjà, il faut y noter que c'est une discussion qui a beaucoup plus pris d'importance en début d'année 2020 avec le coronavirus. Ça a dû accélérer, n'est-ce pas, ces différentes choses-là. Il s'agit en fait de la longue discussion entre le syndicat, l'un des plus grands syndicats en Allemagne, le syndicat Verdi, et l'État allemand sur les conditions de travail des personnes dans le domaine de santé. Puisqu'on sait que c'est toujours quelque chose de très très compliqué, c'est toujours difficile pour ces personnes-là qui travaillent dans le domaine de santé, que ce soit dans des maisons de retraite ou alors que ce soit simplement dans des hôpitaux. Alors, qu'est-ce qui va changer dès 2021? Déjà, il faut noter que dès 2021, nous avons une augmentation de salaire entre 3,2% à 4,5% dans toutes les couches du personnel de santé. Ça veut dire que partant de personnes qui sont encore en stage jusqu'aux personnes qui travaillent en plein temps dans ce domaine. Donc, il faut retenir ici que pour des personnes qui gagnent très moins, je veux dire qui ne gagnent pas beaucoup d'argent dans le secteur de la médecine ou du personnel de santé, donc ces personnes-là auront une augmentation de 4,5% et ça va commencer dès l'année prochaine. Et pour des personnes qui gagnent déjà quand même assez bien la vie, qui touchent à des grands salaires, ils auront une augmentation de 3,2%. Et ceci dès le 1er avril 2021. Maintenant, il faut retenir que l'augmentation sera progressive. Ça veut dire qu'en 2021, on aura d'abord une augmentation de 1,4% qui sera faite, donc au moins 50 euros par mois de plus pour ces personnes-là qui travaillent dans le domaine. Et un an après, donc l'année d'après, en 2022, on va passer à 1,8% qui sera donc fait. Donc si on additionne les 1,8 et les 1,4%, on est clairement dans le 3,2%. Donc maintenant, c'est prévu, cette augmentation jusqu'à minimum 2022, jusqu'à fin 2022, donc c'est parti pour 2 ans les amis. Pour ceux qui travaillent dans ce secteur-là, vous allez avoir une augmentation dans votre salaire. Donc maintenant, spécialement pour des personnes qui sont dans les soins infirmiers, que vous soyez en formation, que vous soyez déjà en plein temps dans ce secteur-là, sachez que dès mars 2021, un bonus de 70 euros sera offert pour vous chaque mois et un an après, vous aurez 50 euros de plus. Ça veut dire que dès 2021, vous aurez 70 euros de plus et en 2022, vous aurez 50 euros de plus, donc en plus de ces 70 euros. Maintenant, dans les soins intensifs, parce qu'il faut différencier, dans les soins, dans des personnes qui font dans les soins infirmiers, il y a des soins intensifs où le travail est beaucoup plus compliqué. Donc là, vous serez également rémunéré à hauteur de 100 euros par mois de plus. Et un bonus, en fait, est également promis pour des personnes qui travaillent en alternance, ça veut dire ceux qui font le Schichtarbeit en allemand. Donc, il y aura une augmentation de 105 à 155 euros. Parce que ceux qui travaillent
présentement dans ce domaine-là bénéficient déjà d'un bonus actuel de 105 euros. Ceci va passer à 155 euros, soit 50 euros de plus par mois. Il y a également les instituts d'encadrement des personnes âgées, dans ce qu'on appelle les Altenheim. Ça peut être les instituts privés ou les instituts étatiques. Donc, pour ce cas de figure-là, il y aura également une augmentation de 25 euros pour des personnes qui, n'est-ce pas, travaillent sur le plan de la formation. Donc, ils sont en formation, ils auront 25 euros de plus. Et pour des médecins, donc ils sont déjà en plein temps là-bas, qualifiés, ils auront jusqu'à 300 euros qui sera simplement offert dès 2021. Et ceci à partir de mars 2021, les amis. Maintenant, au vu de tout ça, il y a également la série sur le gâteau qui s'ajoute, notamment avec le Corona Premier et Arbeitsangleichung, c'est comme ils appellent ça. Ça veut dire que c'est un bonus, clairement, pour le fait que le Corona, n'est-ce pas, a rendu des conditions qui étaient déjà difficiles à la base, encore plus difficiles en cette période de Covid-19 où il y a un grand nombre de patients et où la capacité, n'est-ce pas, des personnes qui travaillent là-bas était amoindrie et ça devenait compliqué pour ces personnes, n'est-ce pas, de se retrouver finalement. Donc, dans ce cas de figure, il y a un bonus, une prime en fait de Corona pour tout le personnel de santé. Et ça commence dès cette année. Donc, on parle ici d'une prime qui varie entre 300 à 600 euros. Donc, 600 euros, c'est pour des personnes qui gagnent très moins. Et 400 euros pour des personnes qui gagnent en moyenne. Pour des personnes qui gagnent le plus, qui sont au plafond de l'échelle en termes de revenus salarial, ils auront donc 300 euros. Maintenant, pour des personnes en formation qui sont employées par la commune, donc par le Gemeinde, ils recevront 225 euros. Et pour ceux qui sont employés directement par l'État, par le Bund, ils auront donc 200 euros. Il faut également noter que les heures de travail dans ce domaine-là également ont été revues à la baisse. En ce qui concerne l'Est de l'Allemagne, vous savez qu'à l'Est de l'Allemagne, jusqu'ici, il y avait toujours cette distance-là de temps de travail, parce qu'en l'Est de l'Allemagne, jusqu'ici, on était à 40 heures par semaine, alors qu'à l'Ouest de l'Allemagne, on était carrément dans les 39 heures. Ça va changer avec le temps, jusqu'en 2023, mais on va commencer dès l'année prochaine à adapter ça pour que le niveau ou en termes de temps de travail de l'Est soit à peu près pareil que le temps de travail au niveau de l'Ouest de l'Allemagne. Donc, ça va aller de façon progressive jusqu'à 2023, jusqu'à ce qu'on ait donc cette parité au niveau des heures de travail. Voilà ce que je voulais partager avec toi, mais je voulais également t'ajouter une info ici, c'est que si tu es par exemple étudiant, n'oublie pas qu'il y a un e-book que j'ai écrit pour toi gratuitement. Tu peux télécharger ce e-book. Ça va te permettre, n'est-ce pas, d'avoir des armes pour mieux appréhender le système éducatif allemand et pour t'en sortir également, parce que je sais que l'Allemagne, il y a un environnement très complexe ici et si on ne fait pas attention, on peut, n'est-ce pas, se perdre. Et c'est également équivalent hein, pour ceux-là qui veulent, n'est-ce pas, déjà faire un business en Allemagne, pour ceux-là qui travaillent déjà ou alors même qui sont encore dans le cadre de la formation de santé et qui touche déjà pas mal de sous, je vous conseille clairement, les amis, de regarder l'investissement immobilier, qui est un investissement qui est à fort potentiel, très lucratif en Allemagne, que je conseille clairement. Et pour toi, si tu es encore nouveau, tu peux cliquer également sur le lien qui est juste en bas pour télécharger un e-book typiquement écrit par moi sur le B.A.B.A. en fait de l'immobilier, sur les étapes en fait à suivre si on veut investir dans l'immobilier en Allemagne. C'est valable pour des personnes qui sont déjà sur place en Allemagne, qui travaillent déjà, qui ont déjà des sous. Même si ce n'est pas encore le cas, je vous conseille clairement de télécharger. Vous allez quand même voir comment ça se passe avec l'immobilier et surtout les points qu'il faudrait faire attention si on veut investir dans l'immobilier. Voilà en fait en gros ce que je voulais partager avec toi. J'espère que ça t'a apporté un plus. Et dis-moi surtout en commentaire, une fois que tu auras touché ta prime, je veux que tu viennes témoigner en commentaire que tu as touché ta prime. Parce que ceux qui me regardent depuis déjà quelques temps, ils ont, depuis le début du Covid, profité de beaucoup de conseils, beaucoup d'informations qu'ils ne savaient pas. Et ils ont, n'est-ce pas, pu accéder aux différentes aides que l'État allemand a mis sur pied pour, n'est-ce pas, faciliter la tâche à des personnes qui ont été beaucoup plus touchées pendant cette période du Covid. Donc, ne garde pas la vidéo pour toi. Il faut partager avec les amis parce que tout le monde a droit à cette information. Tout le monde devrait savoir. Et c'est comme ça qu'ensemble, on pourra relever la communauté en partageant la bonne information et à temps réel. Merci de m'avoir regardé jusqu'ici. On se retrouve dans quelques jours pour la prochaine vidéo. C'était Franklin. Bien le bonjour.